Respire, Morticia. J'aurais vraiment besoin d'une main rassurante. What? Le bébé arrive. Oh non! Pas... Oh, Nissa! Oh! Laisse-moi tranquille, toi! Elle est magnifique, ma chérie. Tiens ton premier jouet. Ah oui! C'est bien une Adams, ça c'est sûr. Mercredi 13. C'est le jour où Mercredi est arrivé au monde. Mais aujourd'hui, c'est déjà son 6e anniversaire. Youhou! Y a quelqu'un à la maison? Je suis ta nouvelle nounou. On t'attendait depuis si longtemps. Je t'en prie, va dire bonjour à Mercredi. C'est un adorable petit diable, n'est-ce pas? Non, désolée, je veux pas m'en occuper. Tu sais pas ce que tu manques. Fallait le dire plus tôt. Je vais prendre grand soin de Mercredi. On va être les meilleurs amis. Ouais. Mercredi, tu recommences? C'est très mal poli. Pas de guillotine avant l'heure du goûter. Ça suffit, c'en est trop. Votre Mercredi, c'est un vrai petit monstre. Et voilà, on s'ennuie maintenant, son nounou. Encore une fois. Qui est-ce qu'on va effrayer maintenant? Au moins, Lurch est toujours prêt à me remonter le moral. Il est temps pour notre jeune fille de se préparer pour aller à l'école. Ce furent les années les plus sombres de Mercredi. Mais au moins, elle a toujours une copine pour lui tenir compagnie. Il est temps de la laisser sortir pour sa promenade. Oups! Quel horrible accident! Je te jure que j'ai pas fait exprès. Fluffy méritait un meilleur sort. Mercredi se rappellera d'elle toute sa vie. Alors que tu descends dans l'abîme, sache que... tu me manqueras toujours. Mes condoléances, Mercredi. Fluffy était une araignée hyper sympa. C'est vrai, et je la vengerai. Oh, on a un invité, on dirait. Quelle horreur. Viens par ici. Je vais te faire visiter ma cave personnelle. Si t'as cru que ça commençait mal, attends voir un peu. Le lycée sera encore pire. Mais Mercredi est prête à affronter n'importe quelle épreuve. Elle est vraiment flippante, hein? Très bien, commençons la leçon. J'espère que vous avez travaillé dur sur vos projets. Pourquoi on commencerait pas par toi, April? J'ai fait pousser cette plante tropicale toute seule. Mais je crois que j'ai un peu exagéré avec l'engrais. Je te mets un A, April, bon travail. Maintenant, à toi, Mercredi. Vous allez être désagréablement surprise, mademoiselle Mavi. Tada! Wow, c'est une chaise électrique! Vous connaissez la théorie? Passons à la pratique. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de rembourrage conducteur et de beaucoup d'électricité. Sonnez l'alerte, tout le monde! On doit évacuer les lieux! Vers un autre pays de préférence. Ciao, bande de lâches! Il est grand temps que Mercredi découvre ce qu'est une vraie fête. Le bal de promo va être hyper amusant. C'est ici qu'on doit danser et rigoler, c'est ça? Toi, viens avec moi. Et je veux rien entendre. On va tout déchirer sur cette piste de danse. Je déteste danser, tu sais. Vous voyez ça, tout le monde? Je sens que ça va être la prochaine tendance. N'y pense même pas, je déteste les téléphones. Ok. Oh, merci, Lay, c'est trop mignon. Continuons, tu veux bien? C'est la mienne maintenant, Pinky. Wow, c'est un peu sinistre, si vous voulez mon avis. Mais elle est plutôt douée. T'es tellement barbant et timide. On peut dire que tu m'as conquise. On restera ensemble pour toujours maintenant. Au fait, je suis Mercredi. Désormais, l'école fait partie du passé. On doit se comporter en adulte maintenant. Les filles, vous avez une invitée. Ce soir, une nounou va s'occuper de vous. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'elle, maman? Amusez-vous bien, mes chéris. Je reviens vite. What? T'as des nattes super cool, hein? Oh, mais c'est ta cervelle! Tu veux voir un tour de magie, ma jolie? Tu vois ce lapin? Ah, trop cool! Ouais, il est tellement doux! On en perdrait la tête! Merci beaucoup, Mercredi. J'espère que vous vous êtes bien entendues toutes les trois. Qu'est-ce qui est arrivé à mes filles? J'ai d'autres enfants à aller voir maintenant.
Maman, papa, dites bonjour. C'est mon petit copain, il s'appelle Denis. Caramilla, on va bientôt battre un nouveau record de famille. J'ai peur, mercredi. Oh, assieds-toi, jeune homme. T'arrives juste à temps pour le dîner. Le repas d'aujourd'hui est principalement composé de produits de la mer. Je crois que je suis d'humeur pour un tango. Oh, mercredi, veux-tu? N'y pense même pas, Denis. Attends un peu, mercredi. What? Attends de voir la bague de fiançailles. C'était un choix vraiment terrifiant, Denis. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est prêt, Lurch? Je crois qu'on a oublié ma mère. T'inquiète pas pour ça, Denis. Lurch est occupé de tout. Aujourd'hui, ces deux cœurs vont être liés pour le restant de leur jour. Ah, quel jour sombre ce fut! Quel beau souvenir! Docteur, je vous attendais! Allez, mercredi! Il est temps de voir comment va ce bébé. Alors... Un garçon, ça doit être un garçon. What? Excellente nouvelle, mercredi! C'est une fille! C'est pas si terrible, mercredi! Allez! Tu pourrais au moins faire un petit sourire pour l'occasion, non? Non, jamais! Sourire, c'est pour les losers! Un dernier mot, docteur? Mais qu'est-ce que tu fais, mercredi? Laisse-moi partir! À l'aide! What? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh! Je crois que le travail commence, docteur! Très bien, du calme, Miss. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ah, voilà ton bébé! Oh, elle est pas trop mignonne? Oh non, elle a un caractère bien trempé! Bonjour, mon petit scorpion venimeux! Étudie bien et obtiens les pires notes possibles, compris? Et assure-toi de garder ça à portée de main. Mais mercredi, pourquoi faire? Notre fille peut aussi avoir quelques accessoires mignons, non? Ça te plaît, ma chérie? Fais attention à ton père! Il est de particulièrement bonne humeur aujourd'hui. Allez, passe une horrible journée! On peut pas continuer comme ça, mercredi! Tu lui apprends toujours les mauvaises manières! Oh, un instant, chérie. Allô, oui? What? Brûler toute l'école? Ah, quelle jeune fille talentueuse. C'est déjà la troisième école. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait, chérie? C'est magnifique. Continue comme ça. Mercredi a pris de l'âge maintenant. Mais elle a gardé un esprit de jeune fille. Et on s'ennuie parfois à la maison de retraite. Pourquoi on s'amuserait pas un peu en faisant quelques farces effrayantes? Tu recommences avec tes bêtises, mercredi? Bref, où j'ai mis mon dentier, moi? Oh, mercredi! Je vais te choper! Tu vas voir de quoi je suis capable! Mais bien sûr! Essaie déjà de m'attraper! Bon, il est temps de rencontrer notre bonne vieille amie. Mais si elle nous veut, elle va déjà devoir nous battre! Et on bat pas mercredi comme ça! T'as vu ça, la faucheuse? Va-t'en d'ici! Et laisse-moi ta faux! Je saurai quoi en faire! Attention, les intellos et les brutes de l'université de Troubain! Vous avez devant vous une rebelle nommée Mabel. Elle va ruiner ta réputation. Elle te donnera des électrochocs. Oh, wow. Ciao, les losers! Et son règne de terreur ne s'arrête pas là. Tiens, prends ça! Qu'est-ce qui vient de se passer? S'en prendre au principal, c'est complètement ouf! Je m'en fiche! Waouh! Ma belle est une dure à cuire! Si seulement j'étais copine avec elle! C'est la pause entre les cours. Et chaque élève est occupé de son côté. Qu'est-ce que t'écris? Rien? Allez, fais-moi voir! Non, s'il te plaît, touche pas! C'est à moi! Des cœurs, t'as quoi, 5 ans? Adam, rends-moi ça! Alors, ça te plaît? Aouh! C'était quoi, ça? Attends voir une minute! Je vais pas laisser passer ça! Je vais te choper, toi! Oh, mais j'en ai pas encore fini avec l'intello! Qu'est-ce qu'on a là, hein? Oh, mais trop la honte! T'es beaucoup mieux comme ça!
Alors là, ça va trop loin. Même pour une brute comme Adam. C'est toi qui m'as jeté un cahier dessus? Je l'ai pas fait exprès, je te jure. Tu vas le regretter. Voilà qui est mieux. Va te reposer un peu. Ah, ces amateurs. T'es tellement cool. Tu veux qu'on soit copine? Dans tes rêves. Mais April va pas lâcher l'affaire. Désormais, Mabel est sa meilleure amie. Mais Mabel, elle, ne le sait pas. C'est quoi son problème? Mabel et April, meilleures amies pour la vie. Horrible! Hé, toi, qu'est-ce que tu regardes, hein? Bouge! On dirait que ça plaît pas beaucoup à Adam. Et à April non plus. Pourquoi est-ce qu'elle m'ignore comme ça? Mabel va résoudre ce problème. Viens au tableau. C'est vraiment la dernière chose dont j'avais besoin. Ok. T'as une minute pour répondre. April, on ne souffle pas. Mais je connais la réponse. J'ai une idée. Une radio avec des gobelets, ça marche à tous les coups. Attrape, je vais t'aider. Ouais, ok. Ça vaut le coup si je peux avoir une bonne note. D'accord, merci pour ton aide. Ok, le temps est écoulé. Waouh, ma belle! T'es pleine de surprises, dis donc! T'as bien révisé, on dirait. On dirait que ma belle a changé d'avis. Hé, toi, c'est ma place! Très bien! Je vais donner une chance d'être mon amie. 1, 2, 3, 4. Oh, voilà, monsieur Alex. Très bien, la classe. Aujourd'hui, on va jouer au ballon prisonnier. Passe-moi ça! Alors, qui sera le premier éliminé? Oh non, sauf qui peut! Elle est inarrêtable. Vite! On doit atteindre la sortie. Où tu penses aller comme ça? Au! Oh, laisse-moi ici, Denis. Non, je te quitterai pas, mec. Qu'est-ce que tu crois faire, là? Prends ça! C'était pas juste! Coucou tout le monde! Oups, je reviens dans une minute. Waouh, les pauvres, ils ont carrément souffert. Je vais aller me plaindre au principal. Prête pour la balle aux prisonniers? Pas mal! Ça, c'est une sacrée combinaison. C'est pas ça qui va te sauver. On verra ça. Raté! Ah ouais? Alors là, tu l'as cherché. Oh, mes lacets sont défaits. Bah, c'est quoi le problème? C'est qu'un jeu de toute façon. Faire des blagues au prof, c'est le passe-temps favori de ma belle. Yes, génial! Oh oh! Monsieur Alex, c'était pas moi. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu caches là? Ma belle, tu recommences? Lave ça tout de suite. Et je ne veux rien entendre, jeune fille. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie d'enlever les traces de marqueur permanent. Mais ça marche pas. Oh, ça craint! Mais t'inquiète pas pour ça. Je vais trouver une solution. April connaît le bon remède. Des mentos avec du coca, ça fait des merveilles. Faut juste bien doser. Voyons voir. On va ajouter les bonbons. Incroyable! Ouais, t'es un génie! Et le bureau est propre en un rien de temps. Bien joué, bestie! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Monsieur Alex? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'arrive pas à le croire, comment c'est possible? Je sais pas. Ah, ma belle, tu tombes bien. Maintenant, c'est l'heure de manger. Je crois que je vais garder ça. Y a quoi au menu aujourd'hui? Des pâtisseries et des gâteaux tout frais. Oh, génial, j'aime trop. Moi aussi. Désolée, je devais terminer mon test. Ah, désolée, il n'y a plus rien, Miss. Sa meilleure amie arrive alors à la rescousse. T'inquiète, je vais t'en trouver, moi, des gâteaux. Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. C'est bon, tu peux regarder. Bon appétit! Que quelqu'un m'aide à me relever! Mais ma belle, qu'est-ce que t'as fait? C'est ça ton merci? Je suis vraiment désolée pour le dérangement. J'espère que ça suffira. Je suis désolée, Denis.
Tiens, un autocollant rigolo. Waouh, merci April. Oh, c'est trop mignon. Adam, tu dois avoir faim. Et comment? Miam, miam, miam. J'adore les gâteaux. Tu vois, on peut toujours faire les choses bien si on le veut. On ne peut pas échapper à l'appel de la nature. Hey, oh non! C'est fermé, ça tombe trop mal. Wow, il y a la queue? Allez, ouvre! Oh non! C'est sérieux? Oh, pas de chance, hein! Hey meuf, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'enfermé là-dedans, il veut pas sortir. Je vais m'en occuper. Allez, ouvre! Qui tu sois? Tu veux pas? Très bien! Tu l'as cherché. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Ouais, j'en suis sûre. Maintenant, donnez-moi une seconde. C'est parti! Bingo! Monsieur Alex? C'est trop drôle! On doit absolument poster ça sur Insta. Dégagez d'ici tout de suite! Cours, April! Avant qu'on se fasse choper! Arrêtez-vous là! Voici mon exposition nommée Monsieur Alex aux toilettes. Waouh, c'est génial! Ouais, c'est trop drôle! Oh non! C'est forcément l'œuvre de ma belle. Mais c'est vrai que c'est plutôt marrant. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Alors, c'était donc toi? Donne-moi ça! C'est l'anniversaire de Denis l'Intello aujourd'hui. Et il a invité ses meilleurs amis. Même Monsieur Alex s'est arrêté lui rendre visite. Merci de m'accompagner. Je suis sûre que Denis sera content de te voir. Ou pas? Merci pour le cadeau, ma belle. Vas-y, ouvre-le. Ouais, allez, sois pas timide. Tu vas adorer. Surprise! Tiens, ton nouvel animal de compagnie. Il mord pas, hein? Oh, un lézard! Éloigne ça de moi! Pourquoi tu fais ça, ma belle? Bah quoi? Il a juste pas le sens de l'humour. Allez, on va manger du gâteau. Laissez-moi le prendre. Ok. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Denis! Ouais! Et la première bouchée est pour la star du jour! Bim! Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as complètement gâché ma fête! Pourquoi je t'ai invitée, en fait? Ma belle, tu peux pas traiter tes amis comme ça! C'est quoi le problème? C'est marrant! Oh oh! On dirait qu'il y en a une qui a décidé de tout casser! Bon anniversaire, loser! Oh! C'est un aquarium, ça? Arrête tout de suite! Mais regarde autour de toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu devrais avoir honte de ton comportement. Mais au fond, ma belle est juste amoureuse. Denis l'Intello? Oh, mon crush! Hey, tu m'esquines ou quoi? Va-t'en d'ici! Je comprends mieux maintenant. Bestie, je vais t'aider à le séduire. Ouh, elle me donne la chair de poule. D'abord, on va choisir une belle robe. Qu'est-ce que t'en penses? Je porte pas vraiment de robe, en fait. Et bien sûr, faut pas oublier de belles chaussures. On va te faire une coiffure lisse et soignée. On vire le bandana. Ok, on ajoute un peu de blush. Oh, t'es trop belle! Tout est dans la démarche. Oh, où tu vas comme ça? N'oublie jamais de garder le dos bien droit. Et souris, tu te débrouilles trop bien. Le moment est enfin arrivé. Allez, ma belle, sois pas timide. Fais comme on a appris. Votre attention, tout le monde. Voici la nouvelle version toute mignonne de ma belle. Waouh, t'es trop belle! Qu'on me pince! Ça a marché! Je vais filer d'ici. Denis, tu vas aller au bal de promo avec moi? Ouais, carrément, ça me ferait plaisir. Oh, ma belle! J'ai toujours su que t'étais une gentille fille. Ah, j'adore quand tout est bien qui se finit bien.